ce soir, eh bien, nous sommes à Challans, ville de 19 000 habitants. C'est d'ailleurs la deuxième ville du département, derrière La Roche-sur-Yon. Challans où, pour le moment, deux listes sont annoncées. L'une d'entre elles sera menée par Nicole Guérin, qui est déjà conseillère municipale d'opposition. Celle qui est également conseillère régionale PS entend proposer une liste sans étiquette, précise-t-elle. Nicole Guérin, qu'on écoute. Nos priorités, c'est bien évidemment l'emploi, l'économie. Ça sera notre fer de lance. On a beaucoup de propositions intéressantes. On les développera en fin de campagne. Et puis aussi la culture, parce qu'ici, il n'y a pas de cinéma digne de ce nom. Nous n'avons pas de salle de spectacle. Il nous faut des infrastructures dignes de ce nom qui manquent cruellement à Challans. Et aussi, il faut que nos jeunes puissent avoir des formations BTS et autres pour rester sur le territoire.